Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de ma série sur The Binding of Isaac Rebirth. Donc la dernière fois j'avais tué Mom, mais vous habituez pas, hein, ça sera pas toujours aussi bon. Hein, c'est un miracle. Hein, c'est un miracle. Même si je pense qu'il est légèrement plus facile que l'autre. Alors on va commencer. Voilà. Là, j'ai débloqué des personnages. Je ne vais pas jouer avec eux pour l'instant. Attendez. Non, j'ai pas encore débloqué. J'ai débloqué Lazarus. J'ai débloqué Azazel. Bon, on va continuer pour l'instant avec Isaac. Hein. On verra plus tard. Les folies, ce sera pour plus tard. Bon. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose. Si vous regardez en haut à droite, à gauche, vous voyez ADB4, OQQ7. C'est l'acide de la map. Si je refais une partie avec la même seed, j'aurai les mêmes salles. Et bon, déjà ça commence mal cette fois-ci, ça commence vraiment mal avec cet item-là. J'aurai les mêmes ennemis, tout ça, et j'aurai les mêmes objets avec une petite restriction. C'est que ça dépend des items que j'ai débloqués. C'est-à-dire que si je n'ai pas débloqué d'autres items, j'aurai les mêmes. Mais si j'en ai débloqué certains, voilà, donc oui, j'ai rajouté dans les options. Je crois qu'il y a la possibilité de remettre les pop-up là qui signalent les achievements. Là c'est parce que j'ai cassé un certain nombre d'étrons. Ah. Alors ça c'est quoi? Ça doit être un rapport avec les étrons aussi, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir récupérer les pièces? Allez, venez, viendez avec moi. Il fait chaud dans mon porte-monnaie, allez. Non, bon, tant pis. Okay. Alors, faut que je me méfie de ça parce que ça tire. Alors ça, cet item normalement me permet de marcher sur les pics sans me brûler, sans me piquer. Ben, je vais le garder. Alors le bouquin, ce que j'ai pris, c'est voilà, ça fait popper des 6 bombes. Voilà, c'est dangereux comme item. Hein. Voilà, oui. Alors, ça c'est une bonne carte normalement. Voilà, deux. Oui. Ice of Spade. Alors. Attendez, faut que je vois quelque chose. Non, bah non. Alors, Ice of Spade, je sais. C'est un rapport avec la chance, je sais pas ce que c'est. Bon, celle-là, c'est normalement la grande prêtresse, ça me donne de meilleurs. Je suis plus puissant, on va dire, voilà. C'est plus simple. Sur une seule salle. Alors ça, c'est un cœur éternel. Je vais pas le prendre maintenant, parce que quand je descendrai d'un étage, il me donnera un cœur rouge supplémentaire. Mais si je le perds, bah c'est comme un cœur normal. Si je le perds, je peux le perdre, il se met... Bon, là j'ai un petit peu de marge, mais j'aurais un petit peu de marge si je le prenais, puisque il serait juste à côté du troisième cœur rouge. Donc il y a les cœurs bleus à perdre avant d'attaquer les rouges, mais je préfère y aller après. Alors ça, c'est encore un truc qui est en rapport avec les bombes.
Ah oui, d'accord. Oui, homing bomb, ça veut dire que les bombes vont se diriger vers les ennemis. Avec un X, non. Ah putain, je me suis foiré dans mes touches. Voilà, bon, pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors les pleurnichards là, ils sont pénibles. Ah merde, je voulais pas me faire toucher, puis Ah. Bon, évidemment, je voulais pas me faire toucher, mais en fait, il y a un achievement pour quand on réussit à faire deux étages qui sont en rapport. Oups là. Regarde, attendez, je tue ces bébêtes et puis je vous explique. Regardez, là je suis dans The Basement 2. Donc si j'avais réussi à passer le Basement 1 et le Basement 2 sans me faire toucher, j'aurais débloqué un achievement qui m'aurait débloqué un item. Ah, alors là, là je vais faire péter une bombe. Ah le con, bon c'est pas grave, je récupère. Mais voilà, je pensais que ça ferait péter la bombe là. Le rock là. Je pensais que ça ferait. Enfin, de toute façon, ça m'a rien coûté puisque j'ai récupéré ma bombe. Ici, il n'y a rien. Monstro, bah ça, je l'ai déjà affronté. Voilà, bah voilà, j'ai utilisé la carte et bah. Voilà ce que ça donnait, c'est Mom qui est venu m'aider. Alors là, j'ai des HP en plus. Là, j'ai la possibilité de faire un deal avec. Un pacte avec le diable. Et ça, je crois que c'est la marque. Et normalement, c'est des dégâts supplémentaires. Et je trouve que c'est pas cher du tout. Oui. Ah, c'est dommage, j'aurais dû. Non, c'est le pentagramme. Donc j'aurais dû regarder avant. Donc là, maintenant, je vais aller chercher. Je vais aller chercher mon cœur éternel. Oui. Je réfléchissais. Oui, non, j'ai rien à faire. Non, mais je vais pas gâcher ma clé pour aller chercher le magasin. J'ai que cette pièce. Voilà. Vous voyez, le troisième cœur rouge, il a une moitié de cœur blanc. Et c'est là qu'ils se mettent quand... voilà. Mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer quand je serai descendu. Attendez, je vais juste regarder quelque chose. Ouais, les deux autres pièces, je vais pas les... Voilà, hop, il s'est transformé en un quatrième cœur rouge. Hop là. Et il lance pas d'os? C'est pas ceux-là qui lancent les os? Ah bah j'aurais cru. Ah puis j'ai pas cherché la... Tiens, fais voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Non, j'y reviendrai peut-être si je trouve une clé, mais là je préfère me la garder pour... Oh putain, la saleté! Je préfère me la garder pour... Bon voilà, j'ai une clé. Ah bah franchement c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Oula.
Enfin bon, c'est des petites bébêtes qui ne devraient pas me poser trop de problèmes. C'est pas un boss. Attendez, je préfère être ici quand. Oh là, je n'aime pas cela. Ah, en plus j'ai homing tir. Oui, donc les. C'est très bien parce que les bombes se dirigent directement vers les ennemis. Oh putain, je pensais que c'était fini. Alors, oui, ça me fait penser à une chose. J'ai cherché pourquoi ça ralentissait. Alors, j'ai peut-être trouvé. On verra si ça marche. Hop là. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc, c'est fini normalement. Voilà. Oui, c'est la. Je crois qu'on n'y a pas accès là-dedans. Non. Alors, si vous avez le même problème, je vous dirai dans un prochain épisode comment j'ai. Si ça a marché, comment ça a marché. Il faut modifier des. Il faut modifier des. Comment dire. Deux options dans un fichier de configuration. Ceux-là ils sont chiants, il faut attendre qu'ils s'ouvrent pour leur tirer dessus, sinon ils sont invulnérables. Allez. Bon, pour l'instant j'ai pas dû les toucher une fois. Ah putain. Ah, c'est pas vrai. Je les ai pas touchés. Voilà, enfin. J'en ai touché un une fois. Voilà, c'est bon. Ça devient bon. Allez, ouvre-toi. Ah merde, je pensais que je l'aurais eu là. Oh putain, ou alors c'était le même que j'avais touché. Il lui en faut des dégâts, lui. Allez. Voilà. Bon, on va monter. D'accord, ça j'en ai pas l'utilité. Hop là. Je pouvais me mettre directement là. Alors ça c'est une machine à don de sang. C'est-à-dire que si je vais là, je vais utiliser mes cœurs rouges. Et ça me fera perdre un demi-cœur rouge. Mais je ne vais pas le faire parce que j'aime pas trop. Et je vais essayer de. Alors ça je sais pas ce que c'est. Le Sagittaire, le Capricorne. Ah, bah ça fait monter toutes mes stats, normalement. Donc normalement, j'ai gagné en puissance, en vitesse, en distance de tir. Bon, je n'ai pas souvenir de comment c'était avant, mais normalement, c'est meilleur. Allez, meurs. Bombes Arki. D'accord, donc là, ça a transformé mes bombes en clés. Et les clés en bombes. Ça a inversé les bombes et les... Alors, attendez. Oh. Je me demande si ça va... non, mais je peux les faire péter. Je peux les faire péter. Ce qui va éclater normalement. Quand il va mourir celui-là. Voilà.
n'a pas fait ce que j'espérais. Donc voilà, je vais aller récupérer le coffre. Comme ça, je me fais un petit pont. Oh, je récupère des... Voilà, le jugement, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc on va descendre. Des pièces, 5 pièces. Ah mais non, il y avait une porte en bas, j'ai pas vu. Ceux-là peuvent être pénibles parce que vous avez vu là, il y a pas. On peut se trouver bloqué à un endroit et finalement qui nous piège. C'est quoi ça? Le cœur d'un enfant. Ah, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ouais, donc j'ai tout fait. Je peux. Ah, celui-là, j'aime pas. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas. Donc c'était voilà, ça fait apparaître un mendiant qui demande des pièces. La carte, je l'ai activée. Oh putain! À l'abri. Non, putain, voilà. Je voulais pas me faire toucher. Allez. Mais non, mais dégage, toi, le nanoï. Il faut pas qu'il saute. C'est pas bon quand il saute. C'est pas joli quand il saute. Oh là 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 là. Ah putain, ça m'a coûté 3 cœurs, je crois. C'est un scandale. Alors le Wooden Spoon, je sais pas ce que ça fait. Il y a un item qui est buggé, qui marche pas normalement. Voilà, qu'est-ce qu'il va me donner? Une carte de Stars. Alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que j'ai pas laissé quelque chose en cours de route? J'ai... Bon, tant pis, de toute façon, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah c'est fermé, oui. Alors je sais plus les conditions pour que cette pièce-là s'ouvre. Alors j'ai un moyen de récupérer la clé si j'en avais besoin. Je pourrais poser une bombe, tirer dessus pour qu'elle aille vers là-bas. Et puis quand la bombe explose, elle fait gicler la clé. Donc il y a des chances que je la récupère. Bon, c'est bon. Là pour l'instant, je m'en tire pas trop mal. Alors ça, c'est le bol de Saint-Doux. Ça va me rajouter des HP, je crois. Non, HP up, si... non, c'est... alors c'est pas du tout ça. Mais disons que c'était une bonne pioche. On va voir. Hein. Non, j'ai toujours pas plus de dégâts. Mais bon. Moi j'aime bien quand ça ajoute de la vie. Oh putain! J'ai balancé une bombe parce que là, heureusement que j'ai le homing tears, enfin le homing bomb, c'est les bombes qui se dirigent vers les ennemis. Parce que là, j'étais à peu près sûr de pouvoir les... Ah, je sais ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Je n'ai pas cherché les salles secrètes. Je savais bien que j'oubliais quelque chose.
Et ils sont chiants, ces, les pleurnicheurs, là, parce qu'ils se planquent. Bon, là, je pourrais récupérer la... Ah, tiens, c'est quoi, ça? Je casse les... Eh, j'ai dû récupérer un item qui fait ça. Ah, bah, ça doit être le Capricorne ou le signe du zodiaque qui fait ça. Oh, bon, c'est dangereux de jouer avec les bombes, mais... tu sais, je me suis démerdé comme un manche. Voilà, donc j'ai eu un nouvel achèvement. Je sais pas ce que c'est, mais je le prends. Donc ici, il devrait y avoir la salle secrète. Si vous regardez la carte, hein, vous voyez que ça fait... la disposition des pièces fait comme un U. Il y a ça fait 2 x 3, puis il y en a une de libre, en gros. Bon, ça va me donner des pièces. Bon, ben, je vais aller au magasin. Alors... Bon, bah, je vais prendre celle-là. Alors, je crois que ça va me donner 2 clés. À chaque fois, je trouverai une clé. Je crois que c'est ça. Tiens, je vais mettre un petit peu de sous de côté. Maintenant, on va aller chercher la salle du boss. Donc pour l'instant, pas de ralentissement, hein, donc ça sent bon, on va dire. Ah oui, ben, voilà, je me plaignais tout à l'heure que... ouais. C'est pas les mêmes, mais c'est à ceux-là que je pensais. Je garde la main droite, la main gauche, je sais pas à quoi c'est... Ah putain! On dirait un chat. Alors il faut se méfier là avec le pouvoir de piétiner les roches et les trucs comme ça, parce qu'il y a des roches, vous avez certainement vu, il y a des roches qui ont des bombes à l'intérieur. Et ben, si je marche dessus, ben je fais péter la bombe. Putain, je les ai ratés les deux. Ouh. Voilà, c'est bon. Je sais pas comment... quel est le pattern, enfin, quel est le... Comment il décide de s'ouvrir? Bon. Puis je fais le con, je me déplace au moment où il faut pas. Voilà. Non, bah alors je sais pas l'histoire des clés que j'ai pris, là, je sais pas à quoi ça correspond. Alors, bah tiens, on va aller là. Là, je savais que les bombes me gêneraient mal. Vous avez vu, la bombe, elle a ouvert une porte. Et si on veut zapper une pièce, on peut très bien utiliser la porte qui a été ouverte. Mais par contre, le jeu considère qu'on n'a pas fini la pièce. Donc, si on doit repasser par là, ben on est obligé de se retaper les bestioles.
Ah merde, je voulais garder ma mouche parce que... Il y en avait que 3. Bon, ça va, ça devrait pas poser trop de problèmes, ça. Il y a des comme ça. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y en avait d'autres. Qu'il y avait des mouches. Des comme ça, il y en a qui contiennent des bombes. Et ceux-là, ils jouent les kamikazes parce qu'ils foncent sur vous quand vous les avez dans la pièce. Attention, il y a un baril de TNT. Voilà, vous avez vu ce qui se passe quand on tire dedans. Voilà, bon. Une petite seconde. Je dois tousser. Voilà. Alors, méga fatigue. Ah, le salaud, il a sauté au moment... Tiens, qu'est-ce que c'est le star... Ah, merde, tiens. Ah oui, bah, j'ai gâché un truc. Ah, merde. Est-ce que j'aurai 3 salles? Je vais essayer de recharger la... L'alchimie. Ah, merde, je peux pas là. Ah, puis j'ai fait le con. Ah oui, mais c'est... Non, mais je suis con, je suis un âne. Je pourrais éventuellement... Bon, non, je vais pas le faire. Casser la machine à pièces et puis en récupérer un peu pour pouvoir acheter une batterie. Mais... Ah, ça, c'est la salle de sacrifice. J'en veux pas. Oups là. Et donnez-moi des pièces. Oui, encore une. Ah, saleté. Ah, bah non, mais je... Ah, quoi que... Non, mais... Bah, ma foi, tant pis. Hein. Tant pis, on va affronter Fatih comme ça. On va être obligé de se battre à la loyale. Bon, pour l'instant, ça va. Ah, là, il m'attire, là. Oui. T'as des problèmes de flatulence, mon coco? Il va sauter, là. Après, il va m'attirer. Voilà, il m'attire. Il essaie de me vomir dessus. Hop le putain, quel con! Ah, oh, mais c'est pas... Mais arrête, arrête, arrête! Il va sauter, là. Alors, il y a certains des boss qui sont nouveaux pour moi, donc c'est pour ça que... Des fois, j'ai des problèmes. Celui-là, c'est pas, il se trouve pas dans le premier. Isaac. Ok. Alors, je crois que les larmes vont plus vite, elles vont plus loin. Par contre, je pense pas avoir gagné en puissance, non. Ah bah tiens, je peux récupérer des cœurs, oui. Je vais aller en chercher un pour combler ce qui manque. Hop, par là. Voilà. Maintenant, je m'en vais. Alors, vous voyez, il y a un chrono. Là, c'est marqué time 26:40. 26-42, c'est si on réussit à tuer Mom en moins de 20 minutes, on a accès au boss rush où là on rencontre tous les boss dans une pièce. C'est pas de mal à veille que je vais le faire parce que c'est assez chaud quand même comme truc. Alors,
celui-là, il faut éviter de le couper en plusieurs parties. Parce que sinon, ça fait une autre bestiole. Il n'a pas plus de points de vie, mais il est, imaginez que j'ai coupé les deux qui souhaitent transformer en 4, c'est beaucoup plus dur à éviter. Alors ça doit faire apparaître Wheel of Fortune. Ah non, c'est de faire apparaître. Ah bah non, c'est parce que c'est à ça que je pensais, mais je pensais m'être trompé. Reste qui, je sais pas. Bon, je préfère les garder. Voilà, je me suis fait un petit chemin de sécurité. Alors si je marche sur les crânes, ils peuvent très bien se transformer en espèce de tourelle là, comme ça. Bon, si je veux le faire disparaître, il suffit que je sorte. Le moon. Je sais pas. J'arrive pas à me rappeler des cartes. Bon, on va considérer que le jugement est meilleur. Ah ouf. Alors le problème de cette bestiole là, c'est qu'elle explose. Hein. Ah, le Dead Cat. Alors c'est un item de. Je crois que c'est un item de Guppy. Il a la particularité de nous donner 9 vies. Alors, je vous expliquerai après, parce que c'est un peu. Je vous expliquerai après quand je serai sorti de la pièce. C'est cool. Non. Alors, ceux-là, on ne peut les toucher que par derrière. C'est particulièrement emmerdant. Par derrière ou sur le côté, comme ça. Je crois qu'ils n'ont pas d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi. Bon, même là, s'il m'a trollé. C'est fini là normalement. Oui. Alors je. Voilà. Alors voilà, vous avez vu, il m'a remplacé tous mes cœurs par un seul cœur, et c'est ça le chat. J'ai 9 vies, mais je ne récupérerai qu'un cœur. Alors je sais pas si j'ai fait une affaire. Bon, on verra ça. Ok. C'est les mains de Mom qui vont tomber. Voilà, donc il n'y en avait que deux. Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir fait une vraie affaire en prenant. Voilà, rencontrer des étrangers sans préjudice. Croyez les bonnes personnes. Vous êtes noir à l'intérieur. Voilà, c'est des petites morales qui à la. Ah oui, ben voilà. Alors ça, c'est Fistula. Elle se coupe en plusieurs morceaux quand on. Et puis ça finit par une espèce de limace, comme ça. Ah, impeccable. Bon, ça s'est bien passé. Ah merde.
Ah ben voilà, j'ai appuyé, j'ai utilisé ma... Non, je sais, non. Si, j'ai dû utiliser ma... Ma carte. J'ai dû utiliser... J'ai le doigt qui a dû... Mon clavier est... n'a pas beaucoup d'espace entre les touches. Alors, des fois, ben, je touche la mauvaise touche. Ah ben voilà, c'était efficace. Et trop le bombe. Voilà, vous voyez là, si je marchais sur le rocher là, il me pèterait la gueule. Et c'est pas franchement une bonne idée. Alors là, il attire et donc on est attiré vers les piquants. Pas trop prendre de risques. Voilà. Hop, des bombes. Qu'est-ce que c'est que ça? Prayer card. Alors, je crois que c'est un item qui permet de multiplier des items. Mais je sais pas comment il marche. Si vous m'excusez, je vais regarder parce que là c'est intéressant. Parce que si je pouvais l'utiliser de manière intelligente, merde, je sais plus le nom de. Alors, attends. Reuse. Non, merde, comment c'est l'item? Bon sang. Ça c'est un qui n'était pas dans... Alors, prayer card, ok. Donc, je suis désolé de prendre quelques secondes. Je voulais pas le faire, mais bon, là, c'est un item qui est très utile. Alors, pendant l'activation, le... Isaac gagne un éternel cœur. Oui. Ok, donc c'est pas ce que je pensais. C'est pas ce que je pensais. Bon, bah c'est pas grave, c'est quand même un bon item, puisqu'il va me refiler un cœur éternel. Comme vous l'avez vu, là, le cœur blanc. Qui... Ah, bah voilà pourquoi je voulais pas passer de l'autre côté tout à l'heure. Oh, puis j'ai perdu un cœur, bordel. Voilà pourquoi je voulais pas passer de l'autre côté. Je savais que je suis un peu polio des doigts. Mais voilà. Oh bah tiens, je vais peut-être l'utiliser maintenant. Ça, c'est pas gênant. Ça. Le Joker. Je vais regarder le Joker aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Alors attendez. Il me faut 2 secondes. Là, ça ira beaucoup plus vite parce que j'ai... Non. Carte. Ah, je suis désolé, mais pour les cartes, j'ai vraiment trop de mal. Et puis, le joker. Alors, il téléporte dans la Devil Room. Ok, eh ben, je vais y aller. Alors, ok. Voilà, donc... j'ai échangé mon cœur rouge. C'est dommage parce que si j'en avais eu plus, j'aurais pu être jusqu'à mourir pour avoir de bons items en plus. Et comme j'aurais ressuscité grâce à Guppy, grâce au chat. C'est par en bas. Alors ça, je ne les connais pas. Hein, bon bah voilà. Ok. Ça va être chaud.
Alors, bon, je regarde la carte, l'empereur, là, pendant que j'ai la page qui est ouverte. Ah, bah, c'est pour se téléporter à la boss room, donc elle me sera pas utile. Est-ce que j'ai laissé quelque chose en route qui pourrait m'aider? Mais je vais peut-être aller chercher l'anarchiste cookbook. Sauf qu'il faut traverser, je crois, Oui, bah tant pis. Je vais aller mourir dans la dignité. Hop là! Oh. Non! Saleté. Voilà, donc le chat m'a fait revivre. Et je n'ai plus qu'un cœur, là, comme vous voyez. Et ça repart de... Oh, putain. Non, 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 pas cette fois, pas cette fois, pas cette fois, pas cette fois. Le problème, c'est que quand il y en a une qui pète, elle fait gicler les autres. Et donc, on peut se retrouver à avoir la bombe qui vient vers nous. Ça c'est certainement parce que j'ai battu les morts. J'ai préféré utiliser des bombes parce que là j'étais un peu mal. Alors ça c'est un orbital qui tourne autour et qui me protège et qui peut éventuellement faire des dégâts. Il y en a qui jouent avec, qui tuent les ennemis avec ça, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. Ah ouais, d'accord. Eh ben merde. Bon, je vais éviter cette pièce-là. Pas sûr que celle-là vaille beaucoup mieux. Ah bah, vous voyez, la boule, elle m'a aidé là. Sinon, je serais mort. Ah, mais tout à l'heure, à l'étage du dessus, j'aurais pu aller chercher des... Oh là, ça c'est chiant ça. J'aurais pu aller chercher la secrète, la salle secrète. Vous voyez, ils n'ont pas d'intelligence particulière, ils vagabondent de manière aléatoire. Oh putain! Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'utilise? Non, je l'utilise pas maintenant. Ah putain, je me suis coincé, j'ai... Bourricot. Ah bah tiens, comment ça se fait qu'il y ait personne? Alors ça, normalement, c'est pas très dur à buter, puisque les trucs là suivent les bords. Donc là, c'est... J'ai même pas besoin d'aller les chercher, ils viendront tout seuls à un moment ou un autre. Voilà. Alors ça c'est le cordon ombilical. Je crois que ça fait plus de dégâts. Je crois que ça fait plus de dégâts, on va voir. Alors, j'ai 13 clés. Ah, ça c'est Loki. Oh, il est très chiant, il a beaucoup de points de vie. Ah putain, j'ai pris... Oh mais tiens, comment j'ai eu Steven, là, le petit Steve. Comment je l'ai eu? Il faudrait que je regarde sur la vidéo, parce que c'est pas clair. Ah.
J'ai fait une connerie, j'ai utilisé la... mon demi-cœur, mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des cœurs qui traînaient. Alors vous avez vu, il envoie des... il envoie des larmes qui sont... qui se dirigent vers l'adversaire. Oh là, oh d'accord, oui. Bon, l'avantage, c'est que si je meurs, je... j'aurai pas à refaire la pièce. Il va cracher, non. Je panique avec son homing tir là. Oh là là là, bah s'il m'a pas touché, c'est pas de sa faute, hein. Bon, c'est quand tu veux que tu meurs, mais non, pas toi, pas toi, putain. Normalement, la pièce est vide, là. Pff, quel con. La prochaine fois, je la fermerai. Alors, attendez. Ah, non, c'est pas là la pièce secrète, puisque j'ai pas accès au mur. Alors, théoriquement, je n'ai pas... Ça ne peut pas se trouver là. Ah non, oh putain, non, 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 non. Voilà, voilà, c'est bon parce que il n'aime pas non plus les piquants. Il n'aime pas non plus les piquants, donc ça prend des dégâts. Regardez. Oh putain. Oups. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Allez, hop. Bon, déjà, ça fait ça. Ces poisons-là, en moins. Parce que le fait qu'ils explosent pose énormément de problèmes. Alors. Là, je pense que savoir où est la pièce, elle doit être à côté de la pièce du dessus. Celui-là, il pose pas vraiment de problème. Normalement, la pièce secrète, si je ne m'abuse, il est possible qu'elle se trouve ici. Bah oui. Bah, je m'abusais. J'ai préféré casser les pierres pour éviter qu'elle se dirige vers moi, pour avoir un petit peu de liberté. Okay. Ah bah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un cœur, j'avais pas vu qu'il y avait un rocher à cœur. Bon, je vais déjà un petit peu mieux avec un deuxième cœur. C'est pas encore ça. Oh là là. Ah et ben. Alors je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai un effet de je sais pas quoi. Mais bon, hein, je prends. Normalement je dois rien trouver là-dedans. Voilà, donc je vais pas dire je suis content, mais au moins j'avais raison. Ah putain, il va falloir que je passe dans cette saleté de pièces. À moins que... Je vais essayer quelque chose. Il est possible que la salle secrète se trouve ici. Eh non. Bon alors, elle doit être là. Mais bon. Alors. Je sais pas quoi faire là. Je sais pas...
Ah mais si ça se trouve, je prends pas de dégâts. Bon. Si ça se trouve, je prends pas de dégâts sur les piquants là. Je préfère pas tester. Oui, mais non. Qu'est-ce que ça fait l'empereur là? Je vérifie. Je l'avais déjà dit tout à l'heure. Ah oui, c'est pour se téléporter dans la chambre du boss. Dans la pièce du boss. Ah, j'aurais peut-être pu le faire. Ça m'aurait économisé un cœur. Ah, puisque... Ah bah voilà, impeccable, magnifique. T'es un génie. Bon. On va les récupérer. Un petit cœur, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le bélier. Oui, le bélier. Alors, je sais pas exactement ce que ça donne, parce que les... Comme je crois l'avoir déjà dit, mais les signes du zodiaque sont une nouveauté dans cette version d'Isaac. Putain. Ah, oui. Du grand n'importe quoi, c'est cela. Allez, tue-le à mort, voilà. Bon, j'ai plus qu'un demi-cœur. Oh là là. J'aime pas cela. Bon, je m'en suis bien tiré. Qu'est-ce que je fais? Ah non, on peut pas là, on peut pas. Je peux pas faire. Oh oui, bah de toute façon, oui. Je peux pas faire péter une bombe parce que sinon j'aurais pas accès au truc. Je vais aller dans le magasin. C'est quoi ça? Ah, de toute façon, j'ai que 9. Non, bon, tant pis. On va descendre. Hop là. Là, c'est bon, quand ils sont comme ça, ils sont plus vraiment dangereux. Chut. Ouh là, ça, c'est une grande pièce, ça. Ah oui, ok. Oh bah là. Je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. À moins que... Voilà. Je sais pas si je suis en sécurité ici, Alors là, vous avez vu le Ball of Bandage, là, m'a bien aidé. Voilà, impeccable. Alors, je sais pas ce que ça fait, range up, je crois, donc ça tire plus loin. Alors là, vous voyez, je n'ai plus accès, quand on tue Mom, on n'a plus accès, on n'a pas de port de sortie. Alors, à moins qu'on ait quelque chose pour téléporter, on est obligé de continuer. Et là, je vais utiliser ma carte, et j'aurai un deuxième cœur quand je serai en bas. Ouais, c'est un miracle. C'est la première fois que je tue Mom sans prendre de dégâts. Je suis assez fier. Voilà. Donc là, on va dans The Womb, normalement. C'est l'utérus. Hein. Ou le vagin. Le vagin. Alors là, par contre, les dégâts, c'est... Il n'y a plus de demi-cœur de dégâts. Hein. C'est du 1 cœur. Ceux-là, normalement, ne sont pas très dangereux. Faut pas que je les détache. Voilà. Et je crois qu'il n'y a plus de magasin non plus. Oh là, ceux-là, ils sont emmerdants. Oh putain, je me disais, c'est pas normal que j'ai pas pris de dégâts. Mais vous voyez, j'ai perdu un cœur entier. Alors c'est pareil, là, il y a des cœurs aussi dans les rochers. Mais par contre, il y en a qui explosent et je crois que faut faire bien gaffe. Je vais tenter le coup.
Voilà, parce que ça me permettait de récupérer un cœur. Moi, de toute façon, je vais mourir. Tears up, ok. Lockdown, bon, tant pis. Ah bah voilà, et ok. Attends, Brennus, attends. Le tears up, donc ça c'est le même. J'ai essayé de fuir, on sait jamais. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? Tears down, bon ben, j'ai eu deux tears up, un tears down et un lockdown. C'est à moitié bon, on va dire. Voilà. Ah putain, ah oui, puis c'est vrai que j'ai qu'un cœur. Ah. Oh. Oui, il fait venir toute sa famille. Et un génocide dans les étrons. Alors ça, je sais. Piercing shot. Ah d'accord, donc vous voyez, de temps en temps, il y a une larme qui est conique. Et je crois que ça transperce les ennemis. Et donc, ça peut toucher un ennemi qui est derrière. Voilà, il y en a une qui en a touché un, qui s'est passé au travers. Voilà, celui-là, le deuxième, il est mort. Il est mort grâce au piercing shot. Alors, ça s'ouvre pas, j'en ai encore un. Ah, j'en ai encore un dans chaque coin. D'accord. Alors ça, je crois que ça explose. Voilà. Voilà, je croyais bien. Est-ce qu'elle est là? Non. Alors vous voyez, j'ai une version boss du putain, il me l'a pas. J'ai pas l'habitude de ces ennemis. D'abord parce que j'ai pas l'habitude d'aller dans de Womb. Mais en plus, je crois que ça fait pas partie qu'est-ce que c'est ça? Ah, 48 heures d'énergie. Ok. Voilà, donc je vais récupérer un cœur. Voilà, quand on récupère deux cœurs éternels, et ben on a un cœur de en plus directement. Oui, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, je m'offre deux cœurs de plus. Voilà, je me sens un petit peu mieux là. Ah oui, sauf que je voulais tester la pièce secrète là. Je sais pas s'il y en a à l'étage là, enfin à cet étage là. Ah, voilà, ça j'aime ça. J'aime un peu moins me faire toucher. Mais bon, c'est bon, comme j'ai des cœurs, je peux les récupérer. Alors piercing shoot, ça ne passe pas au travers. Ça ne passe pas au travers des roches, hein, comme vous voyez. Ah tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Écoli. Ah, d'accord, ça doit empoisonner mes larmes de temps en temps. Attends. Je
sais pas. Attendez, j'ai mon chien qui veut son biscuit parce que il est pressé. Il veut pas attendre que j'ai fini. Alors, je pourrais prendre un risque. Ah non, ça ferait deux cœurs de dégâts. Parce que si je vais dans la salle là, je vais perdre un cœur à l'entrée, un cœur au retour. Et j'ai une chance de trouver les items de un item de Guppy. Et donc, je crois que j'en ai trois. Hein. Ah non, le Dead Cat, c'est pas un item de Guppy. Ah, je sais plus. Bah, de toute façon, je suis pas en mesure de... Oups. Je suis pas en mesure de le faire. Ça serait trop chaud pour moi. Oh là 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 là. Donc là... je tenterai bien encore le coup là. Non, c'est pas bon. Ah, peut-être ici. Non, c'est pas bon. Je cherche la... Oh putain, je fais des dégâts là. Ah, les mouches, elles font du dégât. Je vais juste faire un petit aller-retour. Non, mais ils sont encore là. Est-ce qu'ils vont me donner quelque chose, les... Ah, mais j'ai pu... Little Stevie... Ah, ça devait être que pour un étage. Ça devait être que pour un étage. Le petit bonhomme noir qui était avec moi tout à l'heure. Alors comme vous avez vu, quand ceux-là meurent, ils envoient des... voilà, ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Est-ce que je vais tout de suite... Ah, le problème, c'est que là, si je meurs, eh bien, comment je veux dire, je reviendrai avec un seul cœur. Mais tant pis, hein, on va... Bon, je prends la clé, mais elle sert à rien. Ah non, c'est pas encore le... Ok. Oups là, c'est une pièce qui est dure à gérer, ça. Oh, c'est une pièce qui est très dure à gérer, ça. Je vais pas m'en sortir. Et puis là, j'ai pas vraiment le choix. Bon, bah là cette fois-ci, c'est fini. Hein. Je vais essayer quand même, mais bon, s'il reste là-bas. C'est un peu le bordel, là, comme vous pouvez le voir. Ouh là, j'avais pas vu là. Bon, ça me gêne pas qu'ils soient loin, mais c'est difficile de les toucher. Non, ne saute pas vers moi. Oups là. Non, putain, mais arrête de rebondir vers chez moi. Oh putain, bah voilà. Voilà. Oh, mais ok, il m'en reste encore une. Oh merde. Enfin non, pas merde, mais je trouve que j'avais bien avancé. Ouais, il s'est barré de l'autre côté, donc il me fout un peu la paix. Donc s'il reste là-bas, j'ai une chance. J'ai une petite chance de les battre. Mais il faut pas que les...
que les mouches explosives là viennent. Faut que je les fasse péter chez eux. Oh, j'ai... Je vais peut-être les battre. Oui. Alors, mais je suis pas sauvé pour... Ah non, tiens, il me reste encore... Ouais, il me fait peur, il me fait peur, j'ai peur. Bon, ben, je viens de penser que pour l'instant, j'ai pas eu de ralentissement. Donc, a priori, ça doit être... Ouh, foufoufou. Ben, je veux faire péter le truc là avant d'essayer de passer. Ouais, mais j'aurais bien aimé un petit HP up là, mais bon, on va prendre ce qu'il nous donne. T'auras biscuit plus tard. Alors ça, c'est le dernier étage de l'utérus ou du vagin. Oh, je sais plus. Là, pour l'instant, je suis un peu perturbé parce que je pensais pas passer. Ah, bah voilà. Ah oui, j'ai été baisé par. Alors là, ce qui m'a battu, c'est un sosie de. Oh putain, une heure. Plus d'une heure la partie. Alors c'est un sosie d'Isaac. Et si je descends, ben, il monte. Si je monte, il descend. Si je vais à droite, il va à gauche. Et si je tire, il tire. Voilà, donc il aurait fallu que je le fasse aller dans un coin sur les piquants ou que je sois plus rapide que lui pour le tuer. Voilà. Donc merde, c'est pas... je voulais pas recommencer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Malgré sa longueur, moi j'ai pas traîné en cours de route, hein, à part avoir consulté le... Et non, c'est pas ce que je voulais faire. Avoir consulté le... Deux morts. Oui, deux morts, oui. Et oui. 50 items. J'ai toujours pas tué maman, parce que c'est quand on tue son cœur que... qu'on la tue. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Merci, au revoir, je vais pas traîner plus longtemps.